Alors, vous êtes l'organisatrice de cet événement. Pouvez-vous vous présenter? Ben, je me présente, Mélissa Bigot, présidente de l'association Couleurs Pays. Donc, cette exposition, elle est itinérante, avec en partenariat Colombia Artistica, dont la présidente est Virginia Hernandez, et son nom d'artiste, Luna Rosa, qui est elle-même artiste peintre. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec elle. Quel est l'objectif aujourd'hui de toutes ces rencontres femmes du monde? L'objectif, c'est de faire connaître un plus grand public la diversité artistique de par les œuvres, donc, et représenter les 5 continents, donc l'Afrique, les Caraïbes, Guadeloupe, les Antilles, Haïti, le Royaume-Uni, l'Inde, la France, bien entendu, et l'Amérique latine. Voilà. Pourquoi ce lieu, la Galerie de la Jonquière? Ah, bonne question. Ben, moi, j'ai fait la proposition à plusieurs endroits et la chance nous était donnée pour la journée de la femme, la période de la journée de la femme. Donc, on a dit oui, sans hésitation, parce que ça s'apprêtait. Le lieu s'apprêtait pour célébrer, rendre hommage à la femme. Voilà. Qu'attendez-vous de cet événement à travers les expositions, les visiteurs? Ben, très bonne question. Ben, qui ait un peu plus de visibilité de par les œuvres des artistes et de leur talent, bien entendu, et que ça aide aussi l'association Couleurs Pays et Colombia Artistica à mieux se faire connaître également. Vous êtes aussi peintre? Je peignais, voilà, on me pose souvent la question. Bon, c'est resté un désir inassouvi, d'où l'envie de promouvoir les artistes peintres, mais je me remettrai, c'est promis, à mes pinceaux. Quel est votre style, votre art? Quelles sont vos techniques? Qu'est-ce que vous peignez? Mais moi, c'était plutôt des portraits de face, but, voilà, et puis les paysages. Je suis une passionnée de la mer, de la montagne, voilà. Vous travaillez quelle technique? Alors moi, c'était avec pastel, peinture à l'huile, au couteau, principalement, voilà. Femme du Monde rencontre avec une visiteuse, bonsoir. Bonsoir. Femme du Monde, tous ces pains, tous ces pays. C'est magique, hein. C'est enrichissant, c'est plein de couleurs. Il y a plein de choses, il y a plein de messages. Hein. Et quand on a une femme, pas féministe, mais une femme quand même, elle est assez sensible à tous ces tableaux, à tous ces messages. Enfin, vraiment, c'est pas des statiques, hein. Ça dit, ça... C'est que du bonheur, hein. Ouais, vraiment. Il y a un peintre, un tableau qui vous a interpellé plus que d'autres, une couleur, des formes. Plus en bas, c'est ces couleurs, finalement, ces messages qui permettent de... Enfin, c'est plein de couleurs qui permettent de traduire un message comme on l'entend. C'est-à-dire que là, c'est un message, on voit une femme. Donc, tout le monde, alors qu'en bas, on peut voir plein de choses. Donc, mon chef, tout attirait un peu, c'est un peu le style un peu Picasso, hein, avec toutes ces couleurs qui plaident, où on peut interpréter les messages comme on l'entend, selon sa sensibilité. Voilà. Merci. Ben, je vous en prie. Le voyage continue, je vois qu'il y a une grande conversation entre monsieur et madame, c'est fabuleux, c'est une rencontre peut-être improvisée. Journée de la femme, femme du monde, le thème de l'exposition. La journée de la femme qui se prolonge. Oui, absolument, bah oui, mais ça dure une semaine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous séduit dans cette exposition? Qu'est-ce qui vous plaît? Bah, les couleurs, déjà, et puis la diversité des tableaux. Mais j'arrive, donc je fais un petit tour, mais déjà les couleurs me plaisent. Ouais, j'aime beaucoup les couleurs flashy. Et puis, effectivement, c'est toute une découverte, puisque ce sont des tableaux du monde entier, voilà, les femmes du monde. Voilà, très joli en tout cas. Ah.